Françoise Rollin was 18 jaar in 1969 en werkte in het familiehotel-restaurant van haar ouders in de Rue Saint-Jacques. 40 jaar na dato kan zij zich de 15 juli 1969 nog herinneren alsof het gisteren was. Ici, c'est un hôtel, café, restaurant. Il y avait des touristes ici à la salle à manger. J'étais en train de servir les gens. Et je me vois encore tout près de l'horloge. Il y avait deux personnes. Et j'étais en train de les servir. Et à un moment donné, la porte ici était ouverte parce qu'il faisait très chaud. À un moment donné, le brasseur qui servait les clients ici dans la rue est venu et a ouvert la porte et il nous a dit « Venez vite voir, il y a un car hollandais qui est tombé dans la Meuse ». Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai tout laissé tomber, j'ai laissé les gens là à la salle à manger, j'ai retiré mon tablier et je suis descendue la rue à toute vitesse parce que je suis assez curieuse de nature et je suis allée voir ici en bas parce que c'est à 50 mètres et à ce moment-là, j'ai vu qu'on ramenait des corps, il y avait des gens qui ramenaient des corps de la Meuse, des scaphandriers qui étaient déjà là, et j'ai vu des personnes étendues qu'on essayait de ranimer. Et je me souviens bien d'un ancien agent de police, M. Wilmet, qui était au-dessus d'un monsieur et qui essayait de le ranimer et tout ça. Avec l'émotion, moi je n'ai reconnu que M. Wilmet, parce que c'est un accident quand même... rare, donc on était quand même assez choqués quand même de l'accident. J'ai eu mon attention attirée par les noyés et regarder ce qu'on faisait. Ce qu'on faisait parce que c'était quand même quelque chose de terrible et d'unique à voir. C'était terrible quand même à voir, d'essayer de ranimer les gens. Ça, c'était quand même... essayer d'avoir un petit espoir. Essayer de voir un petit espoir des gens qui revenaient à la vie, mais c'était pas... C'était fini, quoi. C'était fini, à mon avis, ils sont restés trop longtemps dans l'eau. Et puis avec la chaleur aussi. Parce qu'il paraît qu'ils avaient été mangés une demi-heure avant dans un restaurant ici plus haut. Donc à ce moment-là, leur digestion n'était pas encore finie. Et ils sont morts étouffés et noyés. J'avais 18 ans à ce moment-là, hein. J'avais 18 ans. Mais c'est vrai que chaque année, peut-être les premières années après, qu'on y a pensé, hein, parce qu'on avait mis un petit écriteau et chaque fois qu'on passait là, on y pensait. Mais 5-6 ans après, c'était fini. On n'y pensait déjà plus. Mais en tout cas, tous les 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en a jamais parlé. Hein. Aux anniversaires, on n'en a jamais parlé. Je ne me souviens pas en tout cas. Non, non, non. Et pourtant, il y a beaucoup de touristes hollandais qui viennent à Dinan. Hein. Mais je ne sais pas, des personnes un peu plus âgées, est-ce qu'on les a laissées de côté, on les a oubliées, je ne sais pas. Mmh.